Welcome to the barbershop. Oh, regarde comme il est mignon le bébé de ma voisine. Oh, il est mignon. Oh, elle est très très belle. Ah mais non, c'est pas une fille, c'est un garçon. Ah non, moi je parle de la photo. L'enfant, lui, il est moche. C'est une très belle photo d'un enfant moche. Dis-moi, il a un prénom, ce joli bébé? Oui, il était une fois. Hé, hey, tu essaies de nous dire comment on fait les bébés? Et un bébé moche en plus. Pour faire un bébé moche, ce n'est pas compliqué. Tu prends deux parents moches, tu leur fais faire des bisous et la suite, vous la connaissez. Mais non, il était une fois, c'est son prénom. Ah, ça c'est les parents congolais. Le prochain, ils vont l'appeler à suivre. Et le dernier, ils vont l'appeler préservatif percé. Et toi, grand prêtre, si tu as un enfant, tu vas l'appeler comment? Il faudrait déjà qu'il veuille un enfant. Si c'est un garçon, je l'appellerai petit moi. Si c'est une fille, petite moi. Et si tu en as un autre? Très petit moi. Et si ce sont des jumeaux? Deux mois. Moi et moi. Tu es bête. Aïe. Tu es vraiment bête. Et si je te disais que j'étais enceinte de 5 mois? De 5 mois? De 5 petits grands prêtres? J'ai dit 5 mois. De 5 toi? De 5 mères bijoux? 5 mois. Janvier, février, mars. De 5 mois. C'est pas possible. Et pourquoi? Parce qu'on dort sur un lit superposé. Regarde la femme là. Regarde. Hey, elle a voulu me faire un enfant dans les dos. 9 mois d'attente. Pas pour moi.